Salut à tous et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je suis super heureux car j'ai des nouvelles informations à propos d'Assassin's Creed Valhalla. Ces premières informations nous viennent du site Eurogamer qui nous dit « Le personnage d'Eivor nous est décrit comme quelqu'un de plutôt ambitieux, de plutôt loup solitaire, de quelqu'un qui veut de la gloire pour lui-même et pour rejoindre le Valhalla, mais à côté de ça, il devra quand même contribuer et s'assurer du bien-être de sa communauté. Les trois villes principales du jeu seront Winchester, Londres et York, qui est une ville que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de York, tout simplement. Les Vikings personnalisables seront appelés les Yum Vikings. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne seront pas là juste pour les raids et juste pour taper dans la viande, ils seront là aussi en tant que membres à part entière et en tant que citoyens de votre village. On pourra personnaliser à fond ses compagnons et les partager via un système en ligne à nos amis et à la communauté. Apparemment, la colonie aura à la fois un rôle de base, mais aussi un rôle de maison pour le joueur. En effet, d'après le directeur créatif Ashraf Ismail, vous commencerez toujours dans votre village et partirez pour un voyage à chaque partie. Chaque pièce d'équipement sera unique et améliorable et vous pourrez tout à fait garder la même tout le long du jeu, mais en l'améliorant et en apportant des petites modifications. Apparemment, il n'y aura pas de différentes pièces d'armure avec des stats différentes, c'est plutôt vos améliorations qui vont apporter des statistiques différentes et qui vont permettre l'amélioration de vos personnages. Il sera évidemment possible de customiser un peu plus l'équipement en profondeur à un moment précis du jeu, on n'a pas encore d'infos pour l'instant. Comme vous le voyez sur cette image, les ennemis seront capables de s'entraider entre eux pour vous attaquer et vous faire un peu plus mal. Ils seront aussi capables de s'aider de l'environnement, et vu qu'il y aura beaucoup de types d'ennemis différents, on peut s'attendre à vraiment beaucoup de variété dans le gameplay et dans les combats. Si jusqu'ici la vidéo te plaît, je t'invite à poser ton meilleur like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on va passer aux informations qui viennent du directeur créatif du jeu, Ashraf Ismail lui-même. Pour ceux qui auraient des doutes quant à Assassin's Creed Valhalla, sachez que Ashraf Ismail, c'est quand même le mec qui a été à la tête de Black Flag et de Origins, l'épisode avec le plus de lore de toute la franchise. Donc moi je sais pas vous, mais j'ai quand même confiance en lui. Le jeu n'a pas peur de God of War, car tous les jeux évoquant ce thème appuient pour la grande majorité d'entre eux sur l'aspect mythologique. Or, avec Valhalla, ce qu'ils veulent faire, c'est donner l'impression aux joueurs de revivre l'âge sombre de l'Angleterre, de lui donner l'occasion d'explorer des ruines laissées par les Romains, 400 à 500 ans plus tôt. Darby McDavid, le scénariste du jeu, avait déjà évoqué que Valhalla serait un peu moins folklorique et qu'il y aurait moins de mythologie au sens god mode du terme, quoi. Donc on peut fortement supposer pas de pouvoir et pas de trucs complètement pétés comme dans Assassin's Creed Odyssey. Ensuite, et là c'est une information qui me plaît beaucoup, le retour de la lame secrète, oui mais pas n'importe comment, vous avez bien vu que la lame secrète est sur cette façade du poignet et pas à l'intérieur. Pourquoi vous me direz? Ashraf Ismail nous dit que Eivor la porte dans ce sens-là parce qu'il veut qu'elle soit remarquée, parce que c'est une arme redoutable, il veut la montrer par brutalité. D'ailleurs, cette lame secrète ne sera pas disponible tout de suite, il faudra attendre un petit peu avant de la débloquer, un petit peu comme dans Assassin's Creed 2. Ashraf nous dit que le jeu essaiera de connecter tous les éléments du lore d'Assassin's Creed pour donner l'impression que tout ce qui a été fait dans les jeux précédents converge vers Valhalla. La team en charge du scénario a fait en sorte que ces connexions ne soient pas des easter eggs, mais que le monde et le scénario soient construits autour de ces connexions. Alors je sais pas vous, mais ça me hype à mort. Une confirmation d'Ashraf Ismail, qui pourrait être un petit détail pour certains, mais une grande chose pour d'autres, dit que le joueur pourra courir et se déplacer dans les écrans de chargement. Qui veut donc dire... Je sais que vous savez, le retour de la White Room. Et oui, à propos de retour, la vision d'Aigle va revenir dans Assassin's Creed Valhalla, mais sous un autre nom, puisqu'elle va s'appeler la vision d'Odin, qui remplace l'espèce de scan qu'on avait dans Origins et Odyssey. Il dit également que de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au corbeau pour qu'il soit juste pas un espèce de drone. Alors je sais pas vous, mais ces quelques informations, ça fout quand même la hype, hein. Retour de la lame secrète, présence du lore, retour de la vision d'aigle, retour de la White Room, on est quand même en droit de se dire que cet Assassin's Creed risque de surprendre et, pourquoi pas, être l'un des meilleurs Assassin's Creed existants. Je vous ai également recueilli quelques petites informations qui viennent du réédit du jeu. Apparemment, le début du jeu sera en Norvège et sera compliqué étant un territoire pauvre et en guerre. La majorité du jeu se déroulera en Angleterre. Vous le savez déjà, mais il sera possible de retourner en Norvège à tout moment. Eivor masculin et féminin sont tous les deux canons à la franchise. Darby McDavid dit que le choix du genre sera expliqué d'une manière intelligente. On n'en sait pas plus pour le moment. Les quatre royaumes existants en Angleterre à cette époque sont évoqués, à savoir le Wessex, donc le royaume d'Alfred le Grand,
la Northumbrie, la Mercy et l'Estanglie. On sait que la map sera un peu plus grande que la map d'Odyssée, donc toute l'Angleterre pourrait être présente. Et je dis bien pourrait, hein, c'est juste des suppositions de ma part, et là pour le coup c'est pas une info officielle. Dans le jeu on pourra utiliser deux armes et toutes les combinaisons sont possibles, y compris jouer avec deux boucliers. Ils insistent bien encore une fois sur le fait que chaque équipement est unique, ça suppose donc un loot moins massif, mais beaucoup plus qualitatif, avec la présence de runes que l'on pourra graver pour donner des attributs à nos armes. Il y aura aussi des compétences et des capacités spéciales, comme le fait de lancer sa hache sur un ennemi. Alors, avec les décapitations et les démembrements, ça promet quand même d'être un joyeux bordel, on va pas se mentir. Les combats seront donc beaucoup plus intensifs, avec beaucoup d'ennemis différents, et des points faibles qu'il faudra exploiter pour vaincre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que la dernière nouvelle qui montre que cet Assassin's Creed pourrait être l'un des meilleurs existants, on a le retour, les amis, de ceux qu'on ne voit pas et de l'ordre des anciens. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu les ancêtres des assassins et des templiers. Eh bien écoutez, voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces dernières nouvelles à propos d'Assassin's Creed Valhalla. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que la vidéo vous a plu. Est-ce que vous êtes hypé ou pas par ces nouvelles informations? Est-ce que vous êtes hypé ou pas tout court par le jeu? Un petit sondage s'affiche juste là ou là, je sais jamais. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours, vos remarques dans l'espace commentaire. C'était Val en direct de la Assassin's Creed Experience. Salut à tous.